RTJVA, cette nuit encore, nous voulons donner toute la gloire au Seigneur. Bénis sa majesté à cause de vous. Pour tout ce qu'il a fait, il continue pas à faire. Sa main est puissante dans votre vie. Elle sera toujours puissante. Plus puissante qu'auparavant. Et c'est pourquoi cette nuit, nous sommes encore sur pied pour télécharger sa parole. Et je pense que tu vas recevoir jusqu'au débordement. C'est pourquoi cette nuit, nous voulons vous parler sur un thème très important. Tais-toi et sors de cet homme. Tiré de l'évangile selon Marc, chapitre 1, verset 25. Jésus le menaça disant, tais-toi et sors de cet homme. Amen. Amen. Seigneur, tu es puissant. Et tu œuvres dans ta puissance. Et ta gloire se manifeste. Et ton autorité se fait sentir à travers tes œuvres, ton enseignement, tes prédications, ta délivrance. Tu as fait le tout. Un peu du tout. Parce que tu es le tout. Tu fais tout en tout. En toute personne. Et tu feras tout. Dans la vie d'une femme. Dans la vie d'un homme. Dans la vie d'un jeune garçon. Et lui aussi. Il aura le tout. Il enverra le tout. Dans tout le monde. Un peu partout. Et tout le monde. Verra que c'est toi qui es Dieu. Au nom de Jésus. Amen. 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 Tais-toi. Et sort de cet homme. Pourquoi cette déclaration? Et qu'est-ce qui a poussé Jésus à faire cette déclaration? Aujourd'hui, nous faisons des déclarations négatives et parfois positives. Est-ce que cela se réalise? Et qui sommes-nous pour faire des déclarations? Qui sommes-nous pour arrêter un bouleversement ou bien un cri dans ce passage? Nous voyons l'intervention de Jésus et cette déclaration dans la vie de quelqu'un. Et où se situe cette personne? Jésus sera dit à Capernaüm. Le jour du sabbat, il entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Pendant ses enseignements, quelque chose s'est passé et la Bible déclare tous étaient frappés de sa doctrine. Et il disait, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Alléluia. Amen. Jésus a marqué la différence. Les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi enseignaient dans la chair, enseignaient sur la langue, mais ils n'avaient pas d'autorité, ils n'avaient pas de puissance, ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit, ils n'étaient pas dirigés par l'Esprit de Dieu. Et Jésus-Christ, dans ses enseignements, les paroles prophétiques étaient accompagnées. Et parce qu'il y avait l'autorité en lui. Et dans cette synagogue, il y avait quelqu'un. Il y avait un homme qui était
possédé par un esprit impur. Lorsque quelqu'un est possédé par un esprit impur, cet esprit le rendait impur. Cet esprit le conduisait dans l'immoralité sexuelle. Cet esprit le conduit dans l'impureté, dans le désordre. Et la personne se déconnecte de Dieu. Aujourd'hui dans l'église, nous voyons ces différents types de possession démoniaque. Et c'est pourquoi l'église d'aujourd'hui n'est pas équilibrée. Je le dis en conséquence de cause, parce que nous ne tenons pas en compte la délivrance. Nous ne tenons pas compte de la délivrance. Nous croyons que c'est en enseignant seulement que les gens seront délivrés. Oui, l'enseignement touche l'âme. L'enseignement donne un remords. L'enseignement permet à quelqu'un de se répandre et de changer de décision. L'enseignement touche l'âme, l'esprit et la personne sans le remords. La personne change d'avis. L'enseignement peut délivrer, mais pas totalement. Je le dis parce que je suis expérimenté dans ce domaine. Pour la délivrance, il faut quelqu'un qui est revêtu de la puissance d'en haut. Et dans ses prédications, l'onction accompagne, l'autorité accompagne, la puissance accompagne. Et dans cet accompagnement, il y a la démonstration de puissance. Et ça, lorsqu'on enseigne seulement la lettre, sans être rempli du Saint-Esprit, nous ne ferons que bourrer les églises des possédés, et cela conduit à des chutes retentissantes. Et les malades se multiplient. Les problématiques se multiplient. La division se multiplie. L'échec se multiplie. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme était dans la synagogue. Les scribes enseignaient. Les docteurs de la loi enseignaient. Les pharisiens enseignaient. Il n'y avait pas de changement. Mais quand Jésus est arrivé, il y a un changement. Quand Jésus vient, il y a toujours un changement. Si Jésus rentre dans ta maison, le changement se perd. S'il rentre dans ton église, le changement se perd. S'il rentre dans tes affaires, le changement se perd. Et pendant qu'il enseignait avec autorité, cet homme cria: qui a-t-il entre nous et toi? Qui a crié? C'est le démon impur qui a crié en cet homme. C'est pas cet homme même qui a crié. C'est le cri du démoniaque. C'est le cri des démons. Les démons ne peuvent pas supporter la présence de Jésus. Il criait: qui a-t-il entre nous et toi? Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous perdre. Je sais qui es-tu. Le Saint de Dieu. Voilà la différence. Les scribes n'étaient pas les saints de Dieu. Les scribes étaient connus de ce démoniaque qu'ils n'avaient rien de compétent en eux. Ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Ils n'étaient pas rebâtis. Ils n'étaient pas fondés. Il n'y a pas le feu en eux. Il n'y a pas la puissance en eux. Il n'y a pas la force qui se dégageait en eux. Mais le démoniaque a senti quelque chose en Jésus. Le démoniaque a senti le feu en
Jésus. Nous devons être remplis du feu. Le feu du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. Et lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, les choses doivent changer. Là où nous mettons pied, les choses doivent changer. Là où l'espoir a disparu, nous allons amener l'espoir. Et le Seigneur va travailler avec nous en confirmant sa parole par les signes des miracles. Si nous lisons Marc 16, verset 20, la parole de Dieu déclare: et il s'en allait prêcher partout. Et Dieu travaille avec eux. Et Christ travaille avec eux. Et confirmait sa parole par les miracles, les signes qui les accompagnaient. Je prie cette nuit que les miracles, les signes t'accompagnent. Que le ciel travaille avec toi en confirmant sa parole. Le Père de Jésus, c'est-à-dire Dieu, était avec lui. Il était rempli du Saint-Esprit. Jésus même était rempli du Saint-Esprit. La puissance était en lui. Si la puissance est à toi, là où les gens ne peuvent pas aller, toi tu iras. Ce que les gens ne peuvent pas faire, toi tu le feras. Rien ne peut se tenir devant toi. Pendant que l'Esprit criait, Jésus l'a menacé. Que Jésus menace tous tes esprits. Qui mine ta vie. Jésus le menaçait. Et disant: tais-toi. Et sors de cet homme. Tais-toi. Keep quiet. And out. Au nom de Jésus. Tais-toi. Tout ce qui crie à toi. C'est le temps de cet homme. Toutes les mauvaises actes. Qui crie à toi. Tout ce qui bouge. Qui ne t'a pas bougé. C'est le temps. Cette nuit, que se tait ce témoin de ta famille qui te menace. C'est le temps de se taire et de sortir. Cet homme était rempli de démons. Et les démons dirigeaient sa vie. Ce qu'il ne devait pas faire, c'est ce qu'il faisait. Les démons imposaient leur volonté. Si tu es possédé par un esprit pur, tu ne peux pas te marier. Même si tu te mariais, tu n'auras pas un foyer stable. Tu ne peux pas avoir des affaires fructueuses. Et quand tu commences, les affaires vont s'estomper. Si tu es possédé par un esprit, là où les gens vont réussir ça, quand tu vas, c'est le cercle. Si tu es possédé par un esprit, les maladies sans cause médicale seront toujours en toi. Tu vas faire des analyses. Tu vas toujours révéler négatif. Mais à partir de cette nuit, toute maladie réputée démoniaque doit quitter ta vie. Au nom de Jésus, l'esprit impur sorti de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Est-ce que cet homme n'est pas tombé? Il est tombé. Mais aujourd'hui, quelqu'un crie que pourquoi on fait tomber les gens? Non! Si tu as le pouvoir en toi, tu n'as plus besoin de poser les mains à quelqu'un. Tu es en haut, tu passes à tombe. C'est quand un démon sort que l'on peut tomber. Dans quel domaine on peut tomber? Dans le domaine d'onction. Pendant qu'on proclame, on prononce le nom d'un don qui est à toi. Cela peut te propulser, tu vas tomber. Lorsqu'il y a les mauvaises origines, il détruit ta vie. Et dans les proclamations, tu peux tomber. Et l'esprit va sortir. Lorsqu'on prie dans le domaine de manifestation de puissance, l'on peut tomber. Là, ce n'est plus un problème d'ordre démoniaque. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit,
À l'époque, quand on allait pour le baptême d'eau, le temps va y quand on plonge les gens dans l'eau, ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Ils commencent par parler en langue. D'autres tombent. Ils gesticulent. Aujourd'hui, pourquoi ne pas prier? Pourquoi ne plus faire, ne pas faire la délivrance? Nous limitons le Saint-Esprit. Nous limitons Dieu à cause de notre sagesse humaine. Que Jacques a taxé de démoniaque, de terrestre, bien aimé dans le Seigneur. Ne limitez pas le Saint-Esprit. Lorsque vous limitez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous limite et vous ne pourrez pas avancer. Laissez l'Esprit diriger votre vie. Jésus était dirigé par l'Esprit de Dieu et c'est l'Esprit qui opérait en lui. Que l'Esprit opère en toi. Quand l'Esprit est sorti, il y a une réaction par rapport à ce qui est arrivé. Et la Bible déclare, tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres. Qu'est-ce que ceci? Une question étonnante. Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous allez commander avec autorité même les esprits démoniaques et ils vont t'obéir. La terre va t'obéir. Le ciel va t'obéir. Les forêts vont t'obéir. Le sous-sol va t'obéir. Le séjour des morts va t'obéir. Les maladies vont t'obéir. La paralysie va t'obéir. La cécité va t'obéir. Les migraines vont t'obéir. Les insuffisances rénales vont t'obéir. Le VIH va t'obéir. Toutes circonstances vont t'obéir. Je veux que toute la création t'obéisse. Amen. Et à travers cette opération, à travers cette délivrance, la renommée de Jésus se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Aujourd'hui, quand quelqu'un fait la délivrance, on dit qu'il est démoniaque. Qu'il a tissé alliance avec les démons. Et on crie, n'allez pas. Ce que toi tu peux pas faire, laisse quelqu'un faire. Le ministère doit être complémentaire. L'enseignant, l'évangéliste, le docteur, le prophète, l'apôtre, tous sont un don pour l'église. C'est pour maintenir les âmes dans la stabilité en Christ. Et tous ces ministères doivent être pris en compte. Et sans cela, la division, l'instabilité, les problèmes, les difficultés vont se naître. Ici, Jésus a opéré ses miracles et il a enseigné ses disciples. Il a donné le pouvoir de le faire aussi. Aujourd'hui, nous devons donner notre partition pour l'édification du corps de Christ. Tu ne dois pas utiliser tes dons pour toi-même. Pour tes propres avantages. Ni limiter quelqu'un. Ne limitez jamais quelqu'un. Ce qu'on appelle le fleuve. Quand l'eau du fleuve coule, on ne peut pas l'arrêter. Si tu veux l'arrêter, il va dévier. Revenons à la parole. Revenons à Jésus. Revenons sur les anciens sentiers. Quelle mission Jésus a accomplie?
accompli. Pourquoi nous avons l'amour sélectif? Pourquoi nous sommes limités? Ce que Jésus a fait. Toi si tu peux le faire. Toi si tu peux le faire. Si tu te donnes entièrement. Si tu te laisses diriger par son esprit. Tu feras. Et Jésus nous dit. Si quelqu'un croit en lui. Il fera les œuvres. Que lui a faites. Mais il en fera de plus grand nombre. Parce qu'il va au Père. Et c'est pourquoi. Aujourd'hui. Nous sommes revêtus de la puissance d'en haut. Le croyant doit opérer des miracles. Le croyant doit démontrer la puissance de Dieu. Lorsqu'il démontre cette puissance de Dieu, nous confirmons l'authenticité de Jésus. La véracité de la parole de Dieu. Nous invoquons le royaume. Nous présentons le royaume au monde. Les gens verront la différence entre les chrétiens, entre les disciples, les hommes de Dieu et les païens. Les païens ne peuvent pas faire ce que Jésus a fait. Les scribes ne peuvent pas faire. C'est pourquoi ils se sont ligués contre lui. Et Jésus a dit, le prophète n'a pas reçu dans sa patrie. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi tu manifestes ton mécontentement face à tout ce que tu ne peux pas faire pour ordonner tais-toi et sors de ce temps. Tu peux le faire. Pour le faire, il faut aborder ceux qui le font. Pour le faire, il faut lire la parole. Pour le faire, il faut connaître la parole. Pour le faire, il faut être rempli du Saint-Esprit. Il ne faut pas te lever manger à tout moment. Bourrer ton ventre à tout moment. Matin, midi, soir. Dormir, se réveiller. Non, ceux qui arrivent à le faire. Sont capables de jeûner, capables de prier, d'être remplis du Saint-Esprit, afin que nous puissions faire au-delà de ce que Jésus-Christ a fait. C'est pourquoi cette nuit, je veux que le ciel te renforce tes capacités, afin que l'autorité de Jésus vienne en toi, tu sois revêtu de la puissance d'en haut. Et tu sois revêtu de l'armure spirituelle qui est la parole de Dieu, qui est l'esprit de Dieu, qui vont te diriger, et ta vie sera une vie élevée au-dessus de tous. Et le diable ne peut jamais résister à toi. Le diable ne peut pas se tenir devant toi. C'est pourquoi Dieu disait à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Cette nuit, nous allons prier. Seigneur, prépare-moi pour aller de l'avant dans le domaine spirituel. Réveille-moi de l'armure. Réveille mes dons. Réveille mes dons. Rallume la flamme de ces dons. Afin que Seigneur, je puisse me lever au-dessus du monde spirituel. Au nom de Jésus, crie à Dieu cette nuit.
Oh Seigneur, nous voulons nous élever au-dessus du monde spirituel. Le monde spirituel est réel. Et il nous fait face. Les démons se dressent contre nous. Les démons ont captivé des gens. Mais nous voulons aller au-dessus afin de pouvoir délivrer les âmes. Seigneur, c'est pourquoi réveille-nous de l'armée. Réveille-nous de l'armée. Équipe-nous, Seigneur. Nous voulons être rebâtis. Nous voulons que notre vie soit fondée sur la puissance. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, remplis-nous de gloire. Remplis quelqu'un de gloire. Remplis une femme de puissance. Remplis une femme de ta parole. Au nom de Jésus. Avec la partie d'aujourd'hui, sa mentalité change. Sa foi s'est boostée. Jésus avait la foi. C'est pourquoi il ordonnait avec autorité. Oh Seigneur, équipe-nous de la foi. Donne-nous la foi de se lever. La foi d'un grain de se lever. Cette foi qui peut opérer dans le surnaturel. S'il te plaît, Seigneur, je veux que tu agrandisses ma foi. Pousse ma foi à travers la parole. Pousse ma foi à travers la parole. Je veux être un conquérant. Je veux être un conquérant. Je veux être un dominateur. C'est pourquoi j'ai besoin de la foi. La foi vivante. La foi qui bouge. La foi qui ordonne. La foi qui parle à ma côté. Au nom de Jésus. La foi qui voit au-delà de ce qui va devant. Au nom de Jésus. Seigneur, c'est pourquoi me voici devant toi. Me voici devant toi. Je vais être nourri de ta parole. Je vais être nourri de ta parole. Que ta parole se manifeste. Que ta parole se manifeste. Jésus a ordonné une seule fois. Il a menacé en disant, tais-toi et sors de cet homme. Au nom de Jésus, Seigneur, moi aussi, je vais avoir la parole dans ma langue, dans ma bouche, sur ma langue, la puissance de la parole. Je veux la recevoir, comme Jérémie a dit, j'ai entendu ta parole, je l'ai savourée, je l'ai savourée. Seigneur, c'est toi qui as touché la bouche de Jérémie. Et tu as dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Et tu l'as dit, si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Oh Seigneur, donne-moi ta bouche. Donne-moi ta bouche. Oh, c'est toi qui as parlé avec Moïse face à face. Bouche à bouche, comme l'homme parle à son ami. Seigneur, je veux la puissance sur ma langue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu es revêtu de puissance, si tu es revêtu de gloire, tu peux le faire. Tu peux ordonner. Mais beaucoup se retrouvent dans les liens pendant qu'ils sont appelés. Mais ils ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Parce que le démon ne peut pas délivrer le démon. C'est pourquoi tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur, s'il y a quelque chose de caché à moi, que ta puissance soit le feu pour les consumer à moi, pour me libérer de la captivité au nom de Jésus, afin de me restaurer pour que je puisse aller au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes dans les liens. Beaucoup sont dans les liens. Beaucoup sont sur des tubes qui sont en train d'exercer au nom de Jésus. Seigneur, cette nuit
aujourd'hui. Fais tomber les chaînes. Fais tomber les chaînes. Délivre-nous de la possession démoniaque. Délivre-nous de la possession de mauvaises origines. Délivre-nous de la possession des esprits de sirènes. Délivre-nous, Seigneur, de la possession des esprits de serpents. Au nom de Jésus, Seigneur, celui qui doit prononcer des paroles de délivrance doit être lui-même délivré afin de délivrer les gens. La puissance ténébreuse qui demeure en nous, Seigneur, délivre-nous afin que la puissance de la lumière jaillisse en nous et fasse dissiper les ténèbres. Au nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, cette nuit, délivre-nous de la puissance des ténèbres afin que nous puissions marcher dans la lumière. Au nom de Jésus, nous allons encore prier. Il y a des âmes qui sont liées. Et Dieu te donne le pouvoir. Et te dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Alors, ce pouvoir t'a aussi donné. Mais tu n'arrives pas à l'exercer. C'est pourquoi, et cette nuit, tu vas l'exercer. Tu vas dire au Seigneur, ce pouvoir que tu m'as donné, je vais l'utiliser. Tu vas commencer par ordonner sur les esprits mauvais de ta famille, les esprits mauvais qui vous lient, les esprits mauvais qui vous retardent, les esprits mauvais qui vous ramènent en arrière, les esprits mauvais qui contrecarrent le plan de Dieu, les esprits mauvais qui vous dévient, qui vous désorientent, qui sèment la division, qui vous conduisent dans l'adultère. Tu vas les ordonner et dis, oui, ils chasseront les démons. Commence par les chasser de leur lieu. Au nom de Jésus, le pouvoir t'a été donné. Seigneur, tu m'as donné le pouvoir de chasser les démons. C'est pourquoi cette nuit, je chasse les démons de famille, les esprits de serpents, les esprits de vaudou, les esprits de sirènes, les maris de nuit, les esprits marins, les mauvaises origines qui occupent ma maison, qui occupent ma famille, qui occupent mes enfants, qui occupent les lieux césarides. Je les chasse, je les chasse, je les ordonne de quitter ma voie, de quitter mon foyer, de quitter ma famille. Si tu es pasteur, commence par les chasser de ton église. Chasse-les. Ordonne à ce qu'ils quittent. Au nom de Jésus, ces démons qui sont au marché, qui sont allés s'installer dans ton fauteuil, dans ta chaise, dans ton lieu de marché, dans ton bureau. Chasse-les. Ordonne-les. Si au nom de Jésus, sortez de mon bureau. Jésus a dit, tais-toi et sors de cet homme. Ordonne-les de sortir. Ordonne-les de sortir. Je vous ordonne cette nuit. Sortez des forêts. Sortez des arbres. Tout endroit où vous êtes. Au nom de Jésus, je vous ordonne de quitter cette nuit. Vous n'avez pas le droit de demeurer à moi. Si c'est à moi vous êtes, cette nuit, je vous ordonne, libérez mon corps, libérez mon corps. Sortez au nom de Jésus, sortez de mon âme, sortez
démonat. Si c'est la maladie, qui est devenu un démon, à toi, ordonne à cette maladie de quitter au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ordonne à la médiocrité. À la médiocrité, de quitter ton corps. Le succès, le célibat, ordonne de quitter. Chassez le nom de Jésus. L'instabilité conjugale. Chassez-les cette vie. Chassez-les cette vie. Les capacités à aller de l'enfant. Les capacités à mener une vie sociable. Les capacités à grandir. Chassez-les au nom de Jésus. Les esprits de serpent qui hantent ta vie. Sois détruit au nom de Jésus. Sois au nom de Jésus. Qui soit dégagé, qui prend bagage, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le démon a dit, qui a-t-il entre nous et toi? Qui va dire au Seigneur, à partir d'aujourd'hui, rien ne tiendra devant moi, car le feu est à moi, la gloire est à moi, au nom de Jésus, prie maintenant, au nom de Jésus, rien ne tiendra devant moi. Chaque fois que je passerai, tous les genoux fléchissent. Chaque fois que je passerai, les genoux des démons fléchiront. Les sorciers fléchiront. Les problèmes fléchiront. Les pires montagnes ne peuvent se tenir devant moi. Parce que je suis un homme différent. Un homme particulier. Un homme rempli du Saint-Esprit. Au nom de gloire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je dois marquer ma différence au sein de cette société. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui est visible, tout ce qui est invisible, qui veut contrecarrer le plan de Dieu, qui veut me bloquer le passage, au nom de Jésus, vous ne pourrez plus tenir les montagnes. Dégagez devant moi les collines, dégagez devant moi la mer rouge, cède le passage, le Jourdain, cède le passage, les démons, cède le passage, au nom de Jésus, nous allons prier. Tu vas dire au Seigneur, ces démons ont embrigadé l'âme de cet homme. C'est comme ça ils ont embrigadé ton bonheur. Ta destinée. Ta vie florissante. Tes activités. Ce que tu dois faire. Ta réussite. Tu vas dire par la parole. À partir de cette nuit. Je les récupère. Je les ravage. Je les reprends. Commence par les récupérer. Au nom de Jésus. Ta gloire. Ne doit plus demeurer dans les mains de Dieu. Ta destinée. Non plus, ne va plus demeurer là-bas. Au nom de Jésus, à partir de cette nuit, réclame tes droits, réclame ta stabilité conjugale, réclame tes enfants, réclame ton mari, l'homme de ta vie, la femme de ta vie, ta stabilité financière, réclame-les. Jésus, ta lumière, réclame-la. N'ont pas le pouvoir de séquestrer ton bonheur, de séquestrer ton bien. Au nom de Jésus, que tout cela revienne. Que tout cela revienne. Tous ceux qui sont embrigadés doivent revenir. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Tu dois les recevoir. Tu dois les recevoir. Ceux qui sont volés, ceux qui sont usurpés, tout ce que les démons ont pris de tes mains, ta réussite, ta gloire doit être restituée. Au nom de Jésus, ta personnalité, ce que tu dois faire dans les jours à venir, au nom de Jésus, doit être restituée à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus.
Nous allons prier. Ameka kwenye sia ekwana ya ho Toi qui te retrouves dans les liens. Et wami le pas de cure le camé. Cas de possession. Et y a bobo vol le meu. Possédé par l'esprit impur. Bobo makomako gede meu. L'esprit des serpents. Et dag bobo gede meu. Les maris de nuit. Et sanuchuo. L'esprit de chèque. Que gebe bobo. L'esprit de célibat. Et trenonome bobo. Qui exerce un poids lourd sur toi. Et quel appelé Dieu. Et chaque nuit tu vois les serpents. Et zasiaza et ponada. Chaque nuit tu vois les fantômes. Et zasiaza et ponamolio. L'esprit de mort subite. Et coupatabe bobo. Au nom de Jésus. Et Yesu ben comme. Je les ordonne de quitter. Je les ordonne de te libérer. Et tout ce qui parle en toi. Je les ordonne de se taire. Taisez-vous et sortez. Sortez de cette fille. Sortez de cette femme. Sortez de ce jeune garçon. Au nom de Jésus. Vous n'avez plus votre place. À partir de cette nuit. Pose les mains sur ton appareil récepteur. Sur ta télé, le feu du Saint-Esprit va commencer par te gicler. Si tu es possédé par un esprit de rejet, un esprit qui te maintient captif, au nom de Jésus, libère cette femme. Au nom de Jésus, libère cette femme. Esprit de célibat, esprit de stérilité, esprit démoniaque, esprit de mort subite, au nom de Jésus, je t'ordonne, sors, quitte, que le feu descend sur toi, au nom de Jésus, libère les âmes, cet esprit de Dieu, libère, guéris, restaure, au nom de Jésus, au nom de Jésus, si tu es caché sous un arbre, sors de cet arbre, si c'est dans l'arbre, que l'arbre soit déraciné, si c'est dans l'arbre, que l'arbre soit déraciné, que l'arbre soit fendu, et que ton âme sorte. Si c'est l'âme de ton enfant qui a été embrigadé sous la mer, j'ordonne à la mer de relâcher les âmes. J'ordonne au trône dans l'esprit de sirène, sur le trône de l'esprit de sirène, que ce trône soit détruit au nom de Jésus. Vous qui avez envoûter les hommes, c'est les femmes, que les âmes soient désenvoûtées, que le corps soit désenvoûté. Recevez votre stabilité dans tous les domaines de votre vie. Recevez votre promotion, recevez votre élévation. Reçois maintenant l'onction. Et toi aussi tu vas parler avec autorité et ta renommée se répandira. Si c'est dans votre famille, personne n'a eu une renommée, l'heure est arrivée pour que toi aussi tu aies une renommée ici sur terre, au Togo, en Afrique, dans le monde entier. Reçois la gloire. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne continuité de la veillée. Vous pouvez utiliser les mêmes verset, les mêmes requêtes. Pour continuer la veille. Au nom de Jésus. Le Yesu ben komé. Mau basi lolo.